Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASB d'Initiative Plus, était à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour clôturer ses initiatives dédiées à la promotion de la femme. En point de mire, l'annonce du programme CCOT par lequel Marie-Olive Lembe Kabila s'engage à soutenir des femmes commerçantes à faible revenu dont le capital varie entre 20 000 francs et 100 000 francs congolais. C'est dans le Haut-Katanga que Marie-Olive Lembe Kabila a choisi de clore ses activités consacrées au mois dédié à la femme. La présidente de l'ASPL Initiative Plus a réuni à Lubumbashi près de 3000 femmes représentant différentes couches de la société. Toutes pratiquent une activité commerciale de subsistance avec un faible capital qui oscille entre 20 à 100 000 francs. Après la bénédiction par le vicaire général Denis Moto, l'heure est à l'annonce d'une excellente nouvelle. Marie-Olive Lembe Kabila, à travers son ASBL, se propose d'apporter une aide dans la mesure de ses moyens à ses commerçantes dans le cadre du programme CCOT. Elle a fait savoir que les femmes congolaises sont à féliciter car elles sont courageuses, professionnelles. Elle a plaidé pour que l'émancipation de la femme en termes de parité soit effective. À part le fait ya sisi wanawake kugombania kupigania. Les femmes se battent pour parvenir à la parité telle que reconnue dans la Constitution. De mon côté, très impliquée dans ce combat, et tant que l'Éternel me prêtera son souffle de vie, je ne ménagerai aucun effort pour vous soutenir afin de parvenir à la couleur zébrée. Nous devons conjuguer nos efforts pour que ces inégalités qui se font sentir dans l'octroi notamment des postes décisionnels aux femmes soient vaincues. Joseph Kabila a également contribué à hauteur de 100 000 dollars américains pour soutenir le programme CCOT. Marie-Olive Lembe Kabila, comme à son habitude, a offert des pagnes. Chants, danses et spectacles ont rythmé la journée dans une ambiance électrique. Le clou de la manifestation, c'est ce repas de cœur. Marie-Olive Lembe Kabila a pendant plus de 3 heures debout servi une à une toutes ses invitées.